Je descends à la prochaine. La chronique de Gilles Simon. Les cahiers dessinés de Frédéric Pajac, qui avait édité l'an dernier un beau livre sur Topor dessinateur de presse, viennent de publier un très volumineux ouvrage consacré au dessin d'illustration de Topor. Chacun connaît son Topor, le dramaturge, le cinéaste, l'acteur, le dessinateur, le peintre, le graveur, l'affichiste, l'écrivain. Certains se souviennent de sa prestation dans le Nosferatu de Werner Herzog, d'autres de ses contributions à Palace ou Téléchat à la télévision. D'autres encore de ses romans dont Le locataire chimérique qui a été adapté au cinéma par Roman Polanski. Mais Topor, disparu en 1997 à 59 ans, était avant tout un immense dessinateur, qui commença par collaborer aux journaux Bizarre et Harakiri, dont il partage le culte de l'humour noir, décapant et cynique. Le grand public le connaît par ses créations visionnaires pour le dessin animé La planète sauvage de René Laloux, ou son affiche percutante pour Le tambour de Volker Schlöndorff, ou celle poignante pour Amnesty International. Mais Topor a entretenu avec la littérature et le livre une relation plus étroite et continue encore. Très jeune, il s'est passionné pour la contre-culture, la littérature populaire, les surréalistes, ce qu'on appelait les sous-littératures, la science-fiction, le polar. Il s'est plongé dans la poésie, l'humour absurde, les fous littéraires de toutes époques. Il se lit très vite avec des écrivains qui forment une véritable famille littéraire. Sternberg, Jodorowsky, Van Peebles, Blavier, Roëland. Ensuite, une fois célèbre, il se voit confier l'illustration de grands textes de Tolstoï, Anatole France, Georges Sand, Gogol, Singe. Il illustre Fantomas d'Alain et Souvestre, les aventures de Pinocchio de Collodi, les contes de Perrault ou encore les textes de ses contemporains. Parmi ceux-ci, citons Boris Vian, dont le jeu linguistique trouve un équivalent dans le jeu d'images de Topor. Citons encore Marcel Aimé, dont il enlumine les œuvres complètes de 120 dessins en couleur. Paul Guimard qualifiait cette rencontre, entre Topor et Aimé, de nécessaire et évidente, voyant entre eux une parenté éclatante. Ce mélange de réalisme accusateur, de pessimisme narquois, ce fantastique qui fait soudain irruption dans des cours de ferme, des bureaux poussiéreux, des existences étalées, cette brutalité paysanne, tout ce qui constitue l'œuvre de Marcel Aimé se retrouve dans le monde de Topor. Sous le titre « Topor, voyageur du livre », Alexandre Devaux a réuni dans ce premier volume de 400 pages toutes les illustrations réalisées par Topor pour l'édition entre 1960 et 1980. Dessins, gravures, linogravures, noir et blanc, grisaille et couleur, quelle que soit la technique employée, Topor est toujours génial. Et comme le fait remarquer Alexandre Devaux, Topor est un métaphysicien qui montre souvent ce qui se cache derrière ou autour du cadre. Il cherche à faire apparaître le non-dit du récit. Et en effet, que ce soit chez Witold Gombrowicz ou Patricia Highsmith, Emmanuel Bove ou Félix Fénéon, Topor sait extraire la pierre noire au cœur du cristal. Le soin qu'il apporte à ses illustrations font de lui le digne héritier de Granville ou Gustave Doré. Et sa filiation est nombreuse et talentueuse, de Bill Plimpton à Glenn Baxter ou Blutch. Les dessins réunis dans ce magnifique ouvrage sont souvent peu connus parce que publiés dans des livres de bibliophilie ou dans des éditions réservées aux collectionneurs des clubs du livre suisse ou français. Un second volume de ce Topor voyageur du livre sera consacré aux années 1980 à 1997. Voici venu le moment de mon conseil de la semaine. Quand vous aurez fini de vous délecter des dessins fantasques et poétiques, parfois drôles, souvent effrayants de Topor, vous pourrez vous plonger dans le somptueux album de croquis d'Emmanuel Guibert, réuni sous le titre « Italia » dans la collection Air Libre chez Dupuis. L'auteur du photographe et de la guerre d'Alan, le dessinateur le plus doué de sa génération, a beaucoup fréquenté l'Italie pour rendre visite à sa compagne Donatella quand elle y résidait. Dessinant sans cesse, il a consigné ses nombreux voyages et leurs heureux souvenirs dans divers carnets de formats variés, au feutre, au crayon, à l'encre, au pinceau. À l'instar des volumes de dessins qu'il a déjà livrés sur la Normandie, sur Paris, sur le Japon, cet artbook présente pour près de 250 dessins de ses archives. Attention, cet ouvrage grand format
à la finition luxueuse, sans texte, est en tirage limité à 3000 exemplaires, tous numérotés et signés par l'auteur. Bon, moi je descends à la prochaine. Mais je descends qui à la prochaine ? Et nous connaît les pieds nickelés.